Attends, c'est rien. Tu sais que tu deviens un peu plus fort chaque jour? C'est vrai. Tu te souviens quand j'étais petite? Et que je voulais vraiment faire ce feu de camp? Et j'essayais encore et encore et encore. Et j'allais abandonner. Et il y a eu cette toute petite étincelle. Alors tu as pris du papier journal et tout s'est enflammé. Et tu m'as dit, tu vois, la petite étincelle, c'est tout ce qui manquait. Toi aussi, papa. Il te manque que la petite étincelle et tout va revenir. Je te le promets. Livraison de carburant. Eh ben, je suis sincèrement impressionnée. T'as vu comment j'ai coupé la croûte? Là, je dirais bam, on est sur du niveau de chef étoilé. Je sais pas si les chefs étoilés disent bam, mais c'est bien. Ok, enfin bref. Le fait est que j'ai préparé à manger pour ma chérie et que je me suis brûlé qu'une seule fois, donc... Ouais, je pense qu'on pourra pas faire mieux en termes d'action. Parce qu'ici, niveau suspect à arrêter ou porte à enfoncer, c'est plutôt calme. Bah, c'est plutôt une bonne chose. Tu trouves pas? T'es pas en train de changer d'avis, hein? À propos de notre séjour ici? À propos de tout ça. Jared, je me sens vraiment bien dans cette maison avec toi. Ça ressemble à la vie qu'on aurait pu avoir si cet avion s'était posé au moment où il aurait dû se poser. Alors qu'est-ce qu'il y a? Je te connais trop, Michaela. Il y a quelque chose. Je me sens perdue. Ces derniers jours, j'ai réussi à m'occuper, mais tu vois, sans les appels, ça me donne l'impression que j'ai plus aucun but. Je comprends. Écoute, je sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je te garantis qu'on va trouver une solution tous les deux. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. On peut pas rester.